qui a testé les Trango Trek. Je trouve que c'est une chaussure qui lui va bien parce que c'est un gars qui est assez puissant musculairement, donc c'est une chaussure légère et il trouve que la cheville est super bien tenue. Ah, tout à fait. Mais vraiment, il faut voir dans les pierriers, c'est le top. Hein. C'est vraiment le top parce que justement, à cause de ce maintien là qui est. Et le confort. Le maintien. Alors, le maintien, il se fait ici, tu vois. Ouais. Mais vraiment, tu as un maintien qui prend la cheville pratiquement totalement. Et alors, dans les pierriers, c'est le top. Quand tu escalades les rochers, les passages, il y a la croche, elle est parfaite. Et la cheville est bien tenue. Alors, c'est vrai que c'est une chaussure légère. Mais alors, c'est multi-service. Hein. Parce que tu peux mettre les crampons. Cette chaussure-là, moi je l'ai essayée dans plusieurs types de terrain et c'est vrai qu'elle est très légère. Et moi ce que j'apprécie énormément, c'est cette rigidité-là qui maintient absolument la cheville. Alors dans les pierriers, c'est le top. Quand vous montez, vous escaladez des gros rochers en montagne, c'est vraiment très bien parce que vous avez une légèreté dans la chaussure et surtout un maintien de la cheville. Et c'est vraiment top. Et c'est des pantoufles, des véritables pantoufles. À la semelle, au top, pour moi. Ouais. Après, bon, on peut trouver des défauts. Mais pour des chaussures légères comme ça, l'accroche dans les rochers, super. Au niveau de la rigidité, c'est quand même relativement souple. Hein. C'est semi-rigide. Ouais, semi-rigide. Semi-rigide. Ouais. C'est pas une. Elle n'est pas totalement souple. Hein. Non, bien sûr. C'est pas une basket. Hein. Ouais, ça reste une chaussure d'alpi, cramponnable en semi-auto. De la Trango Trek, la Sportiva. Alors, c'est Jean qui les a testés pendant une saison, c'est ça? C'est ça. Alors, une saison de Jean, c'est deux saisons d'un randonneur normal hein, ou d'un alpinisme normal. Alors, il est enchanté parce que d'abord, elle va super bien à son pied. Donc, il trouve qu'elles sont super confortables. Pour lui, c'est des pantoufles. Alors c'est déjà pas mal, alors c'est peut-être dû à la forme de son pied, mais en tout cas super confortable. Après c'est des chaussures qui ont la bonne rigidité pour ce genre de trek là. Voilà, là on est c'est des sommets à 2007-2008, quand il y a de la neige, la semelle, c'est une semelle d'alpi qui est tout à fait assez crampée pour la neige. La rigidité, bon c'est une chaussure de trek, c'est pas la grosse rigidité des coques en cuir, mais c'est quand même pas mal. Il y a un débord arrière pour les crampons semi-auto, donc c'est vraiment la chaussure d'alpinisme facile et de trek polyvalente. Et tout ça, il a trouvé ça génial. C'est-à-dire, il me dit la tenue de pied très bonne, l'accroche dans tous les terrains impeccable. Donc la Trango Trek, elle a une membrane Gore-Tex. Donc ça aussi, c'est bon, ça devient assez classique, mais enfin, c'est quand même très important. Les gens l'ont bien testé. Dans des passages de gué, dans de la neige, des herbes mouillées, c'est souvent le pire, les herbes mouillées. Donc on a à la fois une membrane qui empêche l'eau de rentrer dans la chaussure, et on a aussi cette fermeture là, un peu manchon, qui évite aussi à l'eau de ruisseler par le haut, par le pantalon. La Trango Trek, c'est une chaussure légère, hein, et pour gagner en légèreté, je pense que c'est pour ça, on n'a pas de gué ici. Hein, on n'a pas de crochet métallique, ça passe par des sangles, et voilà, c'est plutôt des tissus. Et là, on a vu que celle-là a lâché, et que les autres, elles n'ont pas lâché, hein, elles sont loin d'avoir lâché, mais c'est quand même des zones, c'est faible quoi, par rapport à des crochets métalliques. Quoi. Alors, on gagne en légèreté, comme souvent en général, hein, on gagne en légèreté, et on perd en solidité. Voilà. Moi, pour le terrain que je fais, pour les randos que je fais, c'est la chaussure vraiment idéale. Parce que c'est du tout terrain. On peut tout faire. On peut faire aussi bien la neige, les pierriers, la grimpe. Après, jusqu'à 3000, 3005, il n'y a pas de souci. Bon, après, si on fait du glacier, c'est autre chose. Mais pour le terrain comme ici, c'est la chaussure idéale. Vraiment.
Et je reviens sur le maintien, parce que au niveau du maintien de la cheville, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et le chausson. Alors, Donc pour toi, le fait qu'il y ait des attaches qui sont en tissu, tu trouves ça, c'est logique, ça te choque pas, quoi. Ça va avec la politique de la chaussure, c'est-à-dire une chaussure légère. Donc légère, bon, ben à la longue, tous les points faibles vont péter, parce que avec les cailloux, avec l'eau, avec la neige, bon, ça va s'user. Et forcément, bon, tout ce qui est en tissu, ben ça va péter. Mais bon, une espérance de vie, 2 ans. Voilà, comme peut-être 3. Voilà. Mais après, il ne faut pas demander plus.